Et yo tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais pas une administration cette fois-ci, une action roleplay. Je sais que vous avez été beaucoup à demander des actions roleplay, qu'il n'y en avait plus beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que je fais énormément d'admin parce que je m'éclate vraiment en administration. Et aujourd'hui on a fait une action RP avec une famille, la famille qui nous a contacté pour faire une action RP avec elle et découvrir avec eux leur RP passif, puisque c'est un RP plus passif que actif, mais vous allez voir qu'il est quand même très très kiffant et qu'il devient très vite actif au final. Et avant la vidéo, bien sûr on parle de mon partenaire Instant Gaming, comme tous les mois, qui vous permet de gagner le jeu de votre choix. Il suffit tout simplement d'aller sur le lien qui est dans la description. Via ce lien, vous accédez au site et ensuite sur le site, vous avez juste à rentrer comme moi le jeu de votre choix, vous validez, vous faites les petits trucs en bas si vous gagnez plus de points et plus de chances de gagner, et du coup ça vous permet de repartir avec le jeu de votre choix à la fin du mois. Vous avez un mois pour le faire, donc tranquille, mais faites-le le plus rapidement possible quand même. Et bien sûr, vous pouvez aller sur Instant Gaming pour acheter vos jeux bien moins chers grâce au lien qui est dans la description et qui vous permet d'avoir des jeux Steam et des jeux Origin beaucoup moins chers que sur le marché, comme là par exemple FIFA qui est à 20€ de moins que sur le marché. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. J'ai cliqué sur le lien dans la description pour Instant Gaming. C'est parti, let's go! Bon les gars, il est temps pour nous de se mettre dans une famille, puisqu'aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir des familles qui ont décidé de nous préparer une scène RP. Alors moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, ok? C'est eux qui ont décidé de faire leur truc de leur côté pour nous montrer une autre facette des familles sur Gmod. J'ai vraiment aucune putain d'info de ce qui va se passer. Je lui ai juste dit, je t'en supplie, je veux pas qu'il y ait que du blabla et que ça dure 30 minutes. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas kiffer. Bonjour, ça vaut quoi les gars? C'est bon, je suis équipé. Bonjour champion. Non, je suis pas boxeur. Non mais t'es un champion quand même. Okay, bon, du coup, comme tu sais, aujourd'hui c'est un grand jour. Bah non, je le sais pas du coup. Il m'a juste invité à venir. Avec la Jäger. Ok. La Jäger, Jäger Master, comme l'alcool. Du coup, je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils sont un peu bouteilles, ça c'est sûr. Ok, ça marche. Du coup, c'est quoi le but avec aujourd'hui? Parce que moi, on m'a dit, écoute, aujourd'hui est un grand jour, il va se passer quelque chose de grand dans l'illégal. Moi, j'attends quelque chose de grand, quoi. Ah bah ça, après, ça dépend, tu vois. Mais what? Qui, lui? Il est vachement stylé, ce bâtiment, là. Bonjour, oui, vous êtes qui? Bonjour, faites quoi devant nous, chez nous, là? Bah, je vous explique, je suis mon collègue en ville, malheureusement, je l'ai pas... Ouais, bah, cherchez-le ailleurs, ici, c'est pas un cache-cache. Bah, ça tombe bien, votre collègue, il est pas là. Allez, Oust. Ok, mais c'est chez vous, j'imagine. Bah non, non, c'est chez le voisin, là. Bien sûr que c'est chez nous. Allez, allez, je dégage. À l'intérieur. Wow. Oh non. À l'intérieur. Allez, rentre. 3 BH, il y a 3 BH à l'extérieur qui viennent me prévenir en cas de problème. 3 BH à l'extérieur. Toi, stagiaire, tu viens avec moi. Ok. À l'intérieur. Ah ouais, stagiaire. Je suis une merde, quoi. Ah bah, c'est un peu votre rôle, hein. Ah oui. Toi, à l'extérieur, c'est pareil. Ils sont folles, les construits, par contre. Bon, c'est dommage, c'est un peu bugué, là. Je sais pas pourquoi. Ça fait ça, c'est les textures. Mais mec, le bâtiment est fou, plaque de début. Du coup, on va attendre mes deux. Ah, vous savez que je suis déjà passé par ici et je reconnais pas le bâtiment là. Je reconnais vraiment pas le bâtiment là. Ah bah ça, mettez-vous à ma droite. Ah, mais non, mais vous êtes pas associé du coup. Ah, mais à votre droite à vous, ok, pas sur la chaise. Ouais. Désolé, désolé, désolé. Oui, c'est le principe d'un. Oui, d'un rendez-vous, oui, désolé. Je suis trop con. Bon, du coup, normalement, rendez-vous sera très rapide. Je suis un peu stressé quand même parce que c'est une grosse cargaison qu'on leur a fait. Ok, mais c'est quoi en fait? C'est pour leur revendre quelque chose? C'est pour faire quoi? Et le bâtiment, il fout les constructions, faut qu'on en parle, ils sont folles. Ah, bah c'est de la revente d'armes et de drogue surtout. Hein. Bonjour messieurs, installez-vous sur les sièges qui sont à votre droite et à votre gauche. Bonsoir. Et vous installez pas là à droite ou à gauche de mon chef, mais sur les chaises. J'ai votre cargaison d'armes et de drogue. J'ai juste pas tout emmené pour l'instant, histoire que vous évitez de me doubler et me mettre une balle dans le dos. Voilà, chose qui doit arriver, bien évidemment. Et du coup, il y a un peu tout ce que vous avez demandé. Vous m'avez demandé de la cocaïne, de la meth, de la weed, des armes. C'est ça, on peut les voir. Bien sûr, bien sûr. Stagiaire, viens avec moi. Toi, reste ici. Ok. Regardez, monsieur, il y a tout ce qu'il vous faut. Comme je vous ai dit, il n'y a pas toutes les quantités. Vous pouvez fouiller un petit peu, regardez ce qu'il y a. Moi, j'attends, j'ai une petite question là. Tu te fous vraiment de notre gueule là? Pourquoi, qu'est-ce qu'il a lui? Comment ça, je me fous de ta gueule? Déjà, vous parlez meilleur. Oh, notre gueule, là. Oh, tu fais quoi? Baisse ton arme, baisse ton arme. Ok, ok, calme. Je t'avais dit quoi? Je t'ai dit, tu remets tout d'un coup. Baisse ton arme, baisse ton arme. Non, 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 tire pas, stagiaire, tranquille. Je te jure, le lapin, je vais te fumer. Baisse ton arme. Pas besoin de paniquer, stagiaire, pas besoin de paniquer. Ouais. On se connaît depuis un petit temps, je vais pas te baiser. Tu sais très bien que ce sera bon et tout. Ok, ok, on verra ça après, d'accord. Ok, pas de soucis. Allez, venez avec moi. Enfin, venez avec moi, stagiaire. Le code 1616 de la porte.
En vrai, je vous explique deux secondes. En fait, en off, à Solti, faut savoir que là, celui qui organise la scène pour aujourd'hui, d'accord? En fait, c'est des scènes qu'il organise souvent avec sa famille ou avec d'autres familles pour créer du roleplay sur le serveur, d'accord? Lui, il adore le RP passif. Il a un perso d'ailleurs qui a un vrai perso. C'est-à-dire que s'il meurt ou s'il va en prison, il va réellement en prison et il ne joue plus au jeu. Genre, c'est vraiment un malade mental dans ce RP-là, sur Gmod surtout. Donc, je vous fais juste cette petite précision. Si c'est aussi pris au sérieux, c'est pas que c'est fake ou quoi, c'est juste qu'il le fait souvent en événement. Et là, il m'a demandé de participer pour que je vois ce que ça donne. Et c'est vrai que rien que les constructions, c'est assez. On va faire quoi, la chef, du coup, maintenant qu'ils sont en train de vérifier les caisses et tout là? Il y a des flics à droite. Il y avait tout. Ah oui, il y a des flics à droite. Je vais aller le SWAT. Merde, bah on bouge. Y'a quoi là? Casse-toi. Quoi là? Bah cassez-vous, tu entends bien les sirènes, sois pas débile. Y'a quoi? Non. Bougez le 4x4, bougez le 4x4! Ça. Ils sont baisés, hein. Ils sont complètement baisés. Par contre, on a tout perdu là. Pour nous, t'inquiète pas. Ouais, mais une idée pour nous, c'est cool, mais on a perdu toute la cargaison et les deux autres bouffons, ils sont à l'intérieur là. On pourra rien leur vendre. Hein. Ouais, non. Si c'est ça ton plan, c'était nul, hein. Bah, le problème, c'est que c'était pas prévu qu'ils viennent. Tu veux que je te dise quoi? Ils ont eu une info, j'en sais rien. Mais pourquoi ils interviennent direct? Mais oui, bien sûr, c'est moi qui ai vendu l'info, frère, n'importe quoi. Et comment. Déjà, je m'en bats les couilles de comment ils ont l'info, c'est pourquoi ils sont intervenus direct en fait. Ils sont même pas venus nous parler. Bon, après, c'est vrai qu'on avait tous des armes dans les mains. Donc. Les construits sont quand même folles, hein. C'est leur petite maison tranquille. C'est vraiment propre de chez propre, hein. C'est quoi le code? C'est 16. Ils ont vraiment fait un truc propre de fou, hein. C'est vraiment propre chez bon, toi, hein. Du coup, normalement. Bah, salut, c'est propre, mais normalement, là, on est à l'abri des flics. Ils devraient pas pouvoir venir. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé aux autres, par contre, faudrait savoir c'est qui a vendu la mèche. Non, mais on s'en fout de qui a vendu la mèche, y'a pas de qui a vendu la mèche. On était 15 devant le hangar armé, y'a pas de qui a vendu la mèche. Y'a un flic qui est passé, il nous a vu, il nous a balancé, c'est tout, frère. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on est quand même armé dangereux, et je pense que. Y'a moyen qu'on peut-être on ait. De les gars intérieurs, à moins qu'ils soient déjà fait arrêter, tu vois. Putain, on est parti de là-bas pour y revenir. Fallait se battre direct en fait. Mais bon, c'est vrai que c'était peut-être mieux qu'on parte. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Bonjour. Au revoir. Mes voitures de merde. Bonjour. On est dans la merde. Bonjour. Alors, Non, mais aïe. J'ai un pilote. Bon, mon frère. Attends, okay, t'inquiète pas, je vais gérer ça. C'est pour vous que je fais ça aujourd'hui. Je vais aller en prison, essayez pas de me récupérer, je sais très bien que ça va bien se passer, mais faites tout ce qui est en votre pouvoir pour continuer à faire survivre la Black Hole. Comme on dit, dans un silence de sourd, on fait crier les armes. Vous entendez, soldats? Bon, justement, allez-y, en fait. Prenez-moi, mettez-moi les menottes, je viens avec vous. On s'est fait bloquer, mais comme des bleus, il a pas réussi à redémarrer la voiture. Les gars. Ouais, bon du coup, faut que je vous parle, stagiaire, venez. Du coup, bon, comme vous voyez, notre chef a été arrêté. Et clairement, on n'est pas du tout d'accord sur ce fait d'arrêter cela maintenant, vous voyez. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va se débrouiller et organiser, on va dire, chercher quoi, au commissariat. Ah, tu veux assaut comico là pour aller le chercher? Exactement, autres, voilà. Oui. Vous comprenez vite. Oui. Okay. Ramène les autres gars là, ils foutent quoi? Je la touche ou quoi? Du coup. Oh, bien haut les gars! De reprendre notre chef juste en les dissuadant quoi. On va pas commencer à tirer sur tout le monde directement. Ah ouais, toi, mais si là ils sont pas coopératifs, normale, là du coup. Est-ce qu'il y a un mot de passe quand on peut les aligner? Comme ça on est sûr de pas tirer pour rien. Si vous voulez. Par balle, par exemple, quand on part ou quand tu en as marre, tu dis bon, vous avez vos gilets par balle et là bim, on les aligne, ok? Ok, pas de soucis. Mais vaudrait mieux qu'on prenne des otages pour les changer. D'ailleurs, est-ce que. J'avoue, il a raison. Est-ce qu'on irait pas à la caserne du SWAT chercher les otages et du coup on y va direct? Ouais, j'avoue, pas bête. Moi je propose qu'il y ait deux voitures. Une qui va chercher l'otage et une qui va directement. Ouais. Nous on prend un otage et on emmène au comico. On entre comme ça, on fouille. On entre comme ça, on fouille la caserne ou pas? Ouais, on rentre comme ça. Ouais, on rentre pas comme ça. Là, voiture verte là. Voiture verte. On la prend. Ah, y'a la voiture verte là, c'est bon, elle est à nous là. Hop. C'est un cuistot en plus. C'est un cuistot? Eh, tu bouges plus. Viens avec nous, bouge plus. Bonjour. Viens. Allez, vous sortez. Tête de cheval aussi, sortez, tu viens. Vous sortez les deux là. Ah bah toi non, aussi. On t'a vu avec ton arme. On est trois, voilà, dehors. Allez, vous rentrez dans le véhicule. Rentrez dans le véhicule. Rentrez dans la surgence. Rentrez dans la surgence, les deux là. Putain.
Les cuistots aussi, pas un conducteur, pas un conducteur. Pardon, excusez-moi, tuez pas, s'il vous plaît. Je suis avec la Audi. Ok, let's go, c'est bon, on a nos trois. Eh, les autres, ils ont ouvert la porte aux cuistots. On est arrivé au trop bon timing. Le timing, il était trop bon, ouais. Ok, let's go, allez, vous venez avec nous, là. On aura le droit à un petit billet à la fin, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Bonjour, messieurs. Messieurs, ouvrez-nous. Quatrième personne avec nous. Quatre personnes avec nous. Et on vient les échanger pacifiquement contre notre chef, d'accord? Sinon, on sera obligé de les abattre en plein milieu du parking du Comico. J'ai deux black holes qui se mettent aux entrées pour que plus personne rentre. Entre nous deux, vous êtes les personnes les plus menaçantes. Oui, mais j'essaye de pas être menaçant, parce que si vous voulez que je sois vraiment menaçant, je peux l'être encore plus, mais là je suis pas menaçant, je vous dis juste que je vous donne tout simplement ces 4 personnes là contre notre chef Black Hole gratuitement, voilà, en toute impunité, sans problème, sans coup de feu, rien du tout. Moi, je vais pas trop y gagner là-dessus. Vous avez pas trop gagné, donc vous allez gagner auprès de la ville de voir que vous laissez des civils et vos propres collègues se prendre une balle en pleine tête par des gens devant le commissariat. Alors, je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit que du coup, la première offre, que ça risquerait de pas être trop possible à l'instant T. Ah, à l'instant T, donc ça veut dire qu'à l'instant T, vous êtes prêt à sacrifier vos civils et vos collègues, que la vidéo soit diffusée sur TikTok et vous passiez pour le pire flic de l'univers. Mais j'ai pas dit sacrifier, j'ai dit qu'il faudrait revoir pour faire une négociation qui pourrait un peu plus m'arranger. D'accord, et en quoi ça vous arrange pas qu'on tue pas les 4 civils là? On a réussi à arrêter quelqu'un qui est recherché depuis plusieurs années. Ah, donc une seule personne qui est recherchée vaut mieux que 4 vies de personnes qui participent activement à la ville. Qui a tué plusieurs centaines de citoyens. Ok, tant qu'il n'est pas jugé, pour moi il n'est pas coupable. J'ai pu parler avec mes collègues et tout ça. On s'est mis d'accord sur le fait que si jamais on libère votre chef, en échange... On veut certes la vie des otages, etc. Ouais. Donc on aimerait aussi que vous repartez de là où vous êtes venu, donc je ne sais pas d'où, mais en tout cas que vous repartez de la ville avec votre chef et que je n'entende plus parler de vous. Ah bah ça me va, ouais, ça me va très bien ça. Là vous avez failli passer à côté de... Merci, monsieur. Là, vous êtes un peu plus, et le flic là, il est devant moi, là il était mort. Il prenait une balle en pleine tête devant TikTok à cause de vous. Donc ça c'est une très très bonne négociation que vous nous avez sorti de votre chapeau là. Rapproche le véhicule, mais reculez, le prêt à partir. Recule le flic. Voilà, bouge pas. Mettez-vous aligner les otages, non, parfait. Voilà. De toute façon, nos 4x4 sont prêts à partir. Pourquoi vous êtes venus ? Chef, avec tout le respect que je vous dois, ta gueule. Donc du coup, là, ce qu'on fait, c'est que on va prendre notre chef, là, il va monter dans le véhicule et vous allez récupérer directement les trois otages en même temps, c'est ça que vous voulez, non ? Oui. Du coup, ce que je veux, c'est qu'au moment où votre chef passe la ligne, mais que les trois otages passent la ligne. Ok. Oui, passe la ligne là. Ok. Allez-y, commencez à vous avancer là. Ok. Donc attendez, le chef, allez-y. Attendez, je veux qu'on enlève les menottes avant. Ouais, enlevez les menottes. Attendez, je vous enlève, chef. Voilà, chef, vous avez plus qu'à passer la ligne et les otages passeront la ligne. Et nous, on s'en va. Pas de tir, hein. Sinon, je vous jure qu'on vous allume. Hein. Allez-y, chef. Allez-y, les otages passez la ligne. Les otages passez la ligne. Voilà. Ok, nickel. Allez, on rentre tous. Allez, on y va, on rentre. Et allez, on y va, boss party. Ça a tout été filmé pour TikTok, let's go. Ok, c'est filmé pour TikTok, parfait. Faudra le mettre sur TikTok, Facebook Live et YouTube. On va faire un gros scandale. Les flics ne veulent pas sauver des civils, bouh. Moi, je vois, c'est que j'ai bien négocié, j'ai sauvé le chef et c'est bon. Allez, dégage avec ta voiture, là. Bon, vous avez trouvé ma négociation comment, là? Messieurs, j'ai pas entendu, du coup. Par contre, vous m'avez dit ta gueule, ils vont mettre une tarte dans un instant, mais non, mais c'était un ta gueule, genre, gentil. Merci quand même de m'avoir sauvé. Qui risque de venir assaut, là, non? Voilà, c'est qu'on est retourné au truc qu'on était à la base. Mais je pense en vrai que, pour le coup, vous avez bien géré la négociation, quand même. Ok. Et vous avez été vite... pour gérer. Mais le problème là, c'est que je crois que les flics vont bientôt arriver parce que. Mais c'est sûr déjà. J'espère qu'ils vont arriver, moi je les attends là. C'était maison balcon. Ah, c'est pas win, y'a les flics. C'est pas win du tout, y'a les flics. Je crois que c'est un peu la merde là. Oh les gars, stagiaire, t'es où? On est mort, je suis là. Tiens, prends ça. Ah, let's go. Gilet pare-balles. Ok, go les gars. Go. Ok, code gilet par balle les gars, c'est parti. Attendez, ils ont un sniper. Ok, il a pris très cher, il a pris très cher. Oh là là, c'est trop bien joué ce que j'ai voulu faire les gars.
C'était trop trop bien joué ce que j'ai voulu faire, mais je les ai juste touchés là. Ah, je l'ai tué, il est mort. On l'a tué. Vas-y, ça. Non, chef. Oh, j'ai tué. Oh, j'ai tué le flic avant. Let's go. J'ai quand même tué le flic avant. Eh bien, bien joué pour cette action RP qui aura duré quand même presque une heure. Bon, bah voilà, c'était grave cool cette action RP. Merci à la famille Black Hole qui a permis à cette action RP, aussi à la famille Jagger qui ont fait ça. Merci à eux deux. Merci aux flics aussi et aux SWAT qui ont participé à l'action RP. Et merci à tous ceux qui ont participé à l'action RP en vrai. Donc, c'est les genres d'action RP que fait la Black Hole de temps en temps avec bah, du coup Arden qui fait ce genre d'action RP. Et du coup, il voulait me convier à ce genre d'action RP. Des fois, c'est un peu long à mettre en place, comme vous avez pu le voir, mais sinon, franchement, c'était vraiment cool, et GG à tout le monde, GG à tout le monde dans le chat, parce que vraiment, et GG aussi à ceux qui construisent, parce que c'était vraiment des très bonnes constructions, en tout cas. Merci à Espoir pour les builds, ouais, voilà, merci à lui, hein. Vraiment, no joke, franchement, des builds de malade mental, mon gars. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un maximum de likes pour me soutenir et pour montrer que tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux en revoir. N'hésite pas aussi à commenter si jamais tu as des choses à dire. Et tu t'abonnes et tu mets la cloche, c'est le plus important pour louper aucune autre vidéo sur la chaîne.